Shalom Vracha, mes amis. Aujourd'hui, nous allons profiter d'aller au falafel. Maintenant, moi, j'ai mangé un falafel, Baruch Hashem. J'ai profité d'un bon repas. Maintenant, 3-4 heures après, je me pose la question. Est-ce que j'ai mangé Bassari? Est-ce que je suis Bassari? Ou je suis Parvé? Est-ce que j'ai vraiment mangé un chocolat, un kasher? Olé. C'est la question qu'on doit poser. Alors, a priori, si je vais, moi, dans un restaurant, dans ce restaurant, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait des schnitzels. Il fait des schnitzels. Combien il met de schnitzels à l'intérieur? Un, des fois 1 kilo, des fois 2, 3. Maintenant, l'huile qui est à l'intérieur, c'est de l'huile qui a un goût de schnitzel. Si cette huile-là, il a un goût de schnitzel, moi, je suis Bessari les gamrés. Comme c'est marqué dans le Siman Kouf, Aïn Tet dans le Yoré Chaim, et dans le Siman Petet dans le Yoré Dea. Bémet, il y a une styra entre les deux, aval. Mais ça dream que c'est comme le pétet, que s'il y a un goût à l'intérieur de mon plat qui est bassari, eh bien je suis considéré comme bassari, je dois attendre 6 heures parce qu'il y a maintenant. Disons un cas qui n'est pas comme ça, je ne suis pas au falafel, je ne suis pas au restaurant, je suis à la maison et j'ai une grande friteuse. Dans cette grande friteuse, j'ai mis, comment on appelle ça, un petit schnitzel comme ça, tout petit, mini. Ok, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai mis un petit morceau de poulet, j'ai grillé pour 2 minutes. Et donc ce petit morceau-là, il est 1/60 qui négate toute la casserole. D'accord? Donc combien il a donné de goût à l'intérieur de la casserole? 1/60. Est-ce que c'est 1/60? Il est batel. Les chahora, il est batel. Maintenant, je fais mes frites après. Je fais mes frites à l'intérieur. Est-ce que moi, je suis Bessari ou je suis pas Bessari? Est-ce que moi, j'ai pas le droit de manger de la viande après ou pas? A priori, du fait que dans l'huile là qui est à l'intérieur, il n'y a pas de goût. C'est pas Bessari. Il y a un petit peu peut-être, ou il y a un petit peu dedans de viande. Mais ça a été battel. Je sais qu'il y a une tellement grande quantité. Moi, j'ai mis qu'un petit filet de schnitzel, une fois. Alors dans ce cas-là, moi après, je suis pas Bessari. Les frites que je vais manger, pas qui ont été, même qui ont été cuits, même avec la viande. Mais bon, en général, les gens ils prennent des grands schnitzel, des grandes choses. Donc c'est pas tellement pratique. Mais si, même par exemple, j'ai mis une cuillère à l'intérieur, une cuillère Bessari à l'intérieur de mes frites. Et mes frites, elles sont complètement parvées. Mais c'était une cuillère Bessari. Même si c'était chaud, du fait que c'est battel, du fait que c'est annulé dans 60, eh bien mes frites, moi après, j'ai pas de problème de manger ces frites-là et de manger du halavi après parce que je suis pas devenu Bessari. Par contre, si c'est comme du schnitzel là-bas du magasin, que là ils mettent des tonnes de schnitzel, des cadeaux, ils mélangent tout à l'intérieur. Alors c'est sûr qu'il y a plein de goûts dedans de schnitzel. Donc même quelqu'un qui mange un falafel, eh bien il devient Bessari. Il doit attendre aussi 6 heures. Baruch Adonai, alors là, m'amène là.